Hello, salut tout le monde, bienvenue de retour sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un make-up tutoriel. Ok, encore un make-up tutoriel. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment je réalise ce make-up look. Et plus pour vous montrer comment créer son code crease, ok? C'est une façon vraiment simple et que tout le monde peut reproduire. Parce que j'avais des difficultés pour créer un code crease. J'ai appris de cette façon-là. Okay. Donc, je vous montre comment se créer votre code crease d'une façon vraiment très simple et rapide. Et rapide, ok? Voilà, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, laissez-moi un pouce vers le haut. Abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas, partagez aussi la vidéo si cette vidéo vous a plu. Donc, on se retrouve à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Mouah, 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 mouah. Donc premièrement, je vais utiliser une base. Comme base, j'utilise mon concealer de chez LA Girl et c'est la couleur beige. Voilà, je vais l'appliquer sur toute ma paupière, bien dispersée à l'aide d'un pinceau. Ensuite, après avoir appliqué le concealer comme base, je vais prendre cette palette de chez Makeup Revolution et cette couleur-là que je vous montre, que je vais venir appliquer sur le creux de mon œil. Donc je vais l'appliquer, vous pouvez l'appliquer, le fard à paupières. Avant de créer un code crease, on applique d'abord un fard à paupières et c'est toujours mieux d'appliquer un fard à paupières mat. Pour le creux de l'œil et vous pouvez bien le disperser. Donc vous pouvez faire des va-et-vient, mouvements va-et-vient de gauche à droite. Vous pouvez aussi redescendre légèrement vers la paupière mobile. Donc prenez votre temps et dispersez très bien la matière. Ensuite, après avoir appliqué cette couleur-là, je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Donc je vais prendre mon concealer, encore le même concealer de chez LA Girl, que je viens appliquer sur ma paupière mobile. Donc je vais répéter la même chose sur mon œil gauche.
Donc voilà, c'est fait. Après avoir créé le Code Squid, je reviens avec la même palette de chez Makeup Revolution et la même couleur aussi, la première couleur. Je viens l'appliquer là au milieu, mais j'applique la couleur juste là où j'ai créé mon Code Squid, donc sur le concealer. Et j'étale juste la matière, je n'estompe pas, je disperse pas. Ok? Ensuite, avec la même palette, je vais utiliser cette couleur-là, champagne, et que je vais appliquer au coin interne de mon œil. Et légèrement, je vais vers le milieu pour mélanger les deux couleurs, pour la mélanger avec la couleur rose. Et quand c'est fait, quand vous voyez que vous avez bien appliqué, vous essayez de mélanger les deux couleurs. J'ai pris le premier pinceau, légèrement, je vais le mélanger là au milieu. Voilà, ensuite j'ai utilisé cette couleur mauve. J'ai juste rajouté légèrement sur le creux de mon œil. Et voilà, voilà le résultat. Le code crease est déjà fait. Je porte mes faux cils de chez Aquilashes et c'est le Bonzinga. Ensuite, j'applique la base du fond de teint, la base de chez Benefit. Je vais mettre le lien tout dans la boîte de description et le nom aussi de la palette que j'ai utilisée. Je vais tout détailler dans la boîte de description. Ensuite, j'ai appliqué mon fond de teint. Après le fond de teint, j'ai fait le highlighting, le contouring, tout ça là. Et ensuite, je reviens avec la même palette, la même couleur, la couleur rose. Je vais l'utiliser comme fard à paupières. Et ensuite, j'ai appliqué le highlighter et je fixe le maquillage. Et c'est tout. Donc, je vous dis merci, grand merci d'avoir suivi ma vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si vous essayez de reproduire ce code quiz chez vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Les filles, j'ai fixé mon maquillage, nous sommes arrivés à la fin. On se dit à très bientôt. Bisous. Bye.